On connaît tous Miles Davis. Je crois que c'est quelqu'un qui a une influence énorme sur la musique actuelle. Une période, on travaille sur une période assez précise, qui est la période des années 60. J'ai trouvé que ce quintet avait tout ça d'intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment charnière entre le hard bop, la musique des années 50 et les années 70 qui vont arriver après. J'ai trouvé que ce quintet avait tout ça d'intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment charnière entre le hard bop, la musique des années 50 et les années 70 qui vont arriver après. Détacher du groupe original parce qu'il est impossible à reprendre parce que c'est l'histoire d'un groupe et nous on a voulu en faire pareil donc au départ on a créé un collectif qui s'appelle le collectif Outer Babies en hommage à un album de ce groupe là et suite à ça voilà, on a travaillé sur ce répertoire là en l'approfondissant et c'est pas fini. Rémi Coton au piano, qui a fait beaucoup de musique latine, voilà, il y a Gabriel Fernandez, au saxophone ténor et soprano, qui nous vient lui originaire de Clermont-Ferrand. Ce soir, c'est une grande première, nous avons l'honneur d'accueillir Christophe Leloil, un brillant trompettiste de Marseille. À la contrebasse, il y a Denis Hénaud-Parisel qui nous vient de Paris, Paris principalement, ouais. Et moi-même, Arnaud Demeur, qui est originaire de Paris aussi, qui est fondateur du collectif.